Yo les gens, salut à tous, c'est Assalam alaikum ce frère et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Kenny le pauvre, il sait, parce qu'en fait je dis bien, il sait pas ce que je vais dire. Et puis voilà, bref, en tout cas j'espère que ce que je vais vous dire vous fera plaisir. Moi personnellement ça me fait énormément plaisir de vous faire partager ce qui va suivre dans les jours à venir, Inch'Allah. Et puis voilà, la seule chose aussi que je peux vous dire par rapport à tout ça, c'est qu'il y a un gros projet qui a été trouvé par Kenny, on vous le dira pas. Parce que c'est parce que mon pote, si on le dit, demain, la mémoire, ça sera fait par quelqu'un d'autre. C'est sûr, ça va. Donc voilà, donc on préfère rien dire. Et puis voilà. Bref, j'ai l'honneur de vous annoncer avec Kenny et Dylan qui est juste derrière, en train de sourire comme un con. Moi, je filme. On aura bientôt une maison. Une maison un peu... Je sais même pas si une maison, c'est limite un truc, limite c'est pas un manoir, le truc. Ouais. Avec une piscine intérieure, etc. Bref, on aura vraiment une maison pour nous. Pourquoi on veut quitter cette maison? Pour la simple et unique raison, c'est qu'en fait on est limité. Hein, là... Ouais. Du bruit. C'est... Ah! Ouais, ça résonne. Et par rapport au voisinage, etc., on est limité. On peut vraiment pas faire ce qu'on veut. Notre RP, moi il y a des jours où sur mon GTA RP, j'ai envie de gueuler ma race, mais malheureusement je ne fais pas par rapport aux voisins. Et là, le fait justement de prendre une maison, ça va nous permettre justement d'avoir une totale liberté. Une totale liberté d'expression. Genre, c'est un truc que je t'ai pas dit, Jawed. Cette nuit, vous étiez pas là, moi j'ai le live. Et vers 3h du matin, bah, j'ai un peu gueulé. Ouais, et... Bah, les voisins, ils ont rien dit, mais j'ai un peu gueulé, quoi. 3h du matin, et j'ai profité que vous étiez pas là pour crier un peu. Voilà, hop, c'est noté. Voilà, moins 400 euros sur la paye. Oh. Bref, et non, le fait d'avoir une maison, ça va être quelque chose d'important, important pour nous. Du sens ouais. Où aussi, ça sera notre première fois qu'on aura une maison. En sachant que moi, j'ai fait appartement sur appartement, mais j'ai jamais eu une maison. Et là, le fait d'avoir une maison, Inch'Allah, ça va être quelque chose... de bien, enfin du moins je l'espère. Et puis voilà, malheureusement ils sont aussi éloignés de Paris, hein. On peut pas trouver des maisons à Paris, les appartements ici qui à Paris, il n'y a pas de maison, c'est que des appartements. En tout cas j'espère du fond du cœur qu'on aura cette maison. Je l'espère vraiment, et c'est dans notre projet, comme dirait Macron. Parce que c'est notre projet. On va pouvoir justement vous proposer du lourd, on sera plus libre. Ouais. Parce que je sais pas, des fois... Putain, mais vous imaginez les vidéos qu'on peut faire avec vous deux dans une piscine là, toute l'année. Oui, 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 on en a parlé. On va en parler. Et puis voilà, en tout cas, voilà, c'est là ces derniers temps, on a un couvre-feu. C'est pour ça, des fois, on peut pas... Là, on a un couvre-feu à 23h. C'est-à-dire, à partir de 23h, on peut plus faire de bruit dans cet appartement. Vraiment. Pas le droit de live. Ouais, on a, je vous le promets. Et c'est pour ça, des fois, j'ai pas envie de forcément de live. Parce que je sais que je vais pas me donner à fond. Il y a des soirs où j'ai envie de crier, je pourrais pas. Il y a des soirs où je me maintiens. Je me retiens de crier, etc. Parce que je peux pas. Là, l'appel, j'ai entendu pour de vrai cette fois. Et là, je vous promets, le proprio m'appelle, dit monsieur, je sais que c'est votre activité YouTube, mais couvre-feu à 23h à partir de ce soir. Ou est-ce que tu ou pas? Donc c'est difficile aussi pour nous. Et c'est pour ça qu'on a décidé de prendre une maison, justement pour avoir une totale liberté d'expression, tout simplement. D'accord? Ils vont pas s'en rendre compte, ça va changer tellement de choses. Ça va changer vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et une fois qu'on sera à la maison, le contenu qu'on peut vous proposer ici va totalement changer. Là, on aura vraiment une liberté d'expression, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. D'accord? En tout cas, moi, j'ai hâte de vous proposer tout ça. J'ai hâte de vous faire montrer la maison. J'ai hâte de vous faire montrer l'intérieur. J'ai hâte de vous faire montrer la piscine intérieure. C'est pas une piscine, extérieure. C'est une piscine à l'intérieur. Ça veut dire, même en décembre, quand le Père Noël vient amener les cadeaux, on peut être sous la flotte en slip, quoi. Voilà. Et ça, c'est un truc de baiser. Ça c'est quelque chose de bien. En tout cas, quoi qu'il arrive, on la visite mercredi, Inch'Allah. Si tout se passe bien, d'ici là, j'espère qu'il ne nous arrivera rien, etc. Et puis voilà. En tout cas, je tenais à vous faire partager ça. Plein de bonnes choses. Ce soit les règles à perdre, comme ça, comme ça. Ciao, bye, c'est bien. Au revoir, merci.